Bonjour à tous. Ouais, bonjour, ouais, bien, ouais, ouais, bonjour, ouais, à tous. C'est une vidéo duel aujourd'hui. Bien sûr, combat de rivalité. Maison grise contre la compagnie, on a carré la compagnie. Oh là là, quel plaisir. On a déjà eu Tanguy sur un plongeon de plat. Extrait. Mais oui. Extrait. Vous étiez dans le public, mais maintenant vous êtes là en vidéo. Je suis content parce qu'on est très peu à connaître ce qui va se passer dans cette vidéo. Ah, nous, on sait rien. On va faire une balle aux prisonniers. On dit pas c'est balle aux prisonniers ou ballon prisonnier? Ballon prisonnier. Dites dans les commentaires. Le principe est très simple. On a 5 vies chacun. Mais non. Ouais, qu'on en avait qu'une. Vous avez vu les vannes à la maison grise comme ça vite? Ah, niveau. C'est le niveau, les gars. Ça fuse. Le principe est très simple. On a 5 vies chacun par individu. Ouh, ça fait 20 vies. 20 vies par équipe. Ouais, Max. Comment perd-on une vie dans la partie? Soit en étant touché de manière directe, soit en dépassant la ligne du milieu. Et sur la mort? Sur la mort, ça va, ça passe. Et sur la mort, comme ça? Non, c'est trop. Tout ce qui est attraper la balle, etc., ne compte pas les règles du ballon prisonnier parfois. Ah. Nous, il y a vraiment que la touche et la ligne qui comptent. Si on l'attrape, on perd pas de vie du coup. Non, quand même. Et si on l'attrape en 4 temps? Ouais. Tant qu'elle a pas rebondi, c'est bon. Ok. Le plus important n'étant pas là, le plus important étant qu'une fois qu'un de nous 8 n'a plus de vie, la partie s'arrête. Ah bon? Et celui qui n'a plus de vie va en prison. Ok. Une vraie prison. Oh, trop cool. Et les autres de l'équipe, de son équipe? Les autres restent. Ah, ils restent. Ah, okay. Ah, ils continuent. Ah, je suis pas là pour la vidéo. D'accord. Putain, il lisse. Ah ouais, c'est vrai que... Mais la prison la plus proche, elle est à quel endroit? Les prisons viendront à nous. Ah, ok. Ok. Oh, putain. Messieurs, pour cette vidéo, on a construit 7 prisons différentes. Waouh. Un thème. Il y a que le gagnant qui ne va pas en prison. Il y a que le gagnant qui ne va pas en prison. Le gagnant dormira sur un lit avec un matelas. Ah ouais. Emma. Oh, vous allez venir ou pas? Vous allez venir? Et on passera évidemment la nuit entière dans cette prison. Trop cool, trop bien. Ah, je pensais que c'était un gage, mais ils sont contents. Il est 21h30, le temps qu'on finisse, je pense qu'il sera presque 23h. Et ensuite, on dormira ici. Place au game! Je vous ai chauffé tranquillement. Laissez-moi vous parler d'Emma. Emma, vous commencez à connaître, ce sont des experts du sommeil. Ils font évidemment plein de produits haut de gamme. Des matelas, des lits, des oreillers, des couettes. Donc, tout ce qu'il faut pour vous offrir le meilleur sommeil. Dans cette vidéo, ils nous ont envoyé le matelas original, qui est le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Ils ont évidemment pas que celui-ci, puisqu'ils ont aussi le matelas hybride, qui a été notamment élu meilleur matelas testé en France en 2023. En plus de ça, chez Emma, vous pouvez retrouver des matelas bébés, des lits select entièrement personnalisables et du linge de lit extrêmement doux. Et tout ça avec un rapport qualité-prix imbattable. Vous le savez, si vous dormez bien, vous passez de meilleures journées. Et d'ailleurs, j'ai moi-même chez moi un excellent matelas Emma depuis quelques temps et ça fait la vie. En plus de ça, les produits Emma sont garantis pendant 10 ans. La livraison et le retour sont gratuits si vous n'êtes pas satisfait. Et en plus de ça, vous avez dans tous les cas 100 nuits d'essai pour tester les produits. Il y a un QR code qui s'affiche parce qu'en ce moment, sur le site de Emma, vous avez des Winter Sales. Donc vous avez déjà des réductions et en plus de ça, vous avez 10% supplémentaire avec le code CROSS. Donc vous pouvez scanner le QR code et y aller directement ou alors vous avez le lien en description, évidemment. Je crois que c'est parti! Ouais, mais ça va pas la tête! C'est pour chier, Val d'Ango! Val d'Ango, à nos invités, la compagnie. Moi, je suis très content de vous recevoir. Qui regarde la chaîne de la compagnie? Et donc, c'est de la gueule. Ah bah, nickel. Nickel, merci les gars. Alors, j'ai vu votre vidéo avec Pierre Gasly et Charles Leclerc. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est pas les meilleurs invités qu'on ait. Allez. Eh bien, bon tournage, messieurs. Allez, balle aux invités. Oh putain! Eh hey, les gars, on ne dort pas en prison, hein. Les gars, connexion. Et comptez quand même vos vies, hein. Là, il nous reste 5 vies chacun, on affiche le petit score en dessous. C'est bon? Ouais. Oh, non. Ah d'accord, direct. T'as été touché? Mais là, c'est horrible, il faut jouer à ça. Vite! Ouais! Moi j'ai été touché, hein. Toi t'as une vie en moi? Non mais direct! Moi j'ai une vie en moi! Il s'est fait atomiser direct! J'ai pris un ballon dans la fesse! C'est meurtrier là! Les gars, captez la balle! Eh fume-y! Oui! Eh fusil encore! Ouais! Choisis ta cible! Voilà! Voilà! Oh! Il a touché, non? Maman! Ça tout la gare! Ça y est, où la Oh le bâtard!
Ouais, mais les... bah, c'est pas normal là, ce qui se passe. C'est de l'humiliation. Stratégie. Voilà. Vas-y, vas-y, voilà. Vas-y, prenne. Voilà. Ouais. Yes. 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 Oh. Et non. Ça marche. Ça marche. Alan-moi, s'il te plaît. J'ai pas joué. Aïe. Non, ça va, tranquille, tranquille. À jouer. Eh les gars, on stratège là. On stratège, les gars. Ouais. Ouais, Max. Ouais. Ouais. Allez, encore. Oui, encore, si tu le sens. Encore. Ouais, ouais. Ah non, pile la batterie. Ouais, bien joué, Max, c'est le meilleur. Non. Ouais, non, c'est des débuts. Non. Non. Récupérez. Allez, calmez, ouais, calmez. Calmez-vous. On va tous se calmer. Oh, faut que je me branle. Il y a un mec qui m'a mis un coup là dans la carotide. Ouais, marche-toi, marche-toi. Allez, frère. On a le temps, les gars. Eh, hey, on prend notre temps, les gars. Touché. Ah, putain. Putain, la galère. Oh, les gars, il reste plus qu'une mère, Max. On protège. On protège, Max. Non. Oui. Oh, Fred. Pas toi, Fred. Allez, pour le moment, la sponso est plus longue que le jeu. On y va, enchaîne. Fais gaffe ton corps, fais gaffe ton corps. Ah, chier, fais chier. Celui qui nage avec. Putain, ça marche. Ça marche, les gars, ça marche. Protégez Max, protégez Max. Je te cache et tu, je te cache et tu tiens. Ouais. Attention. Non. Ah. Putain, mais tire plus fort. Ouais. Oui, oh, oui, touché. Il me reste deux vies. C'est serré, là. Max, je suis désolé, j'ai rien contre toi, mais tu viens de Grenoble, je suis désolé. Ça va. Ouais. 38 là. Oh, non. On accueille tout de suite la première prison. Et attention, petite subtilité, vous allez jouer avec la prison dans votre camp. Donc vous allez pouvoir vous cacher derrière. Oh, oh, intéressant. Ah, tu l'avais pas dit. On accueille les prisons. Attends, grosse protection là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Grosse protection là. Je suis avec un tigre dans le... Non, t'inquiète pas. La première prison. Ah, dommage. Ouais. Parce que... Très inauguration de mairie. David Copperfield. Attention. Oh, trop cool. Wow. C'est impossible à dormir. Honnêtement, c'est mieux que chez moi. Oui, c'est vrai, c'est mieux que chez vous. T'es cassé en deux au bout d'une heure de sommeil. Hein. Allez, là c'est un oiseau. Dans la prison. Messieurs, bonne chance. Allez, bon courage. Allez, Max. Il va quand même se prendre des balles. Eh, salut, Woody Woodpecker. Il y a la clim. Il y a la clim et tout. Ouais, ouais, ouais. En vrai, qui c'est qui l'a fabriqué? C'est Rémi. Putain, chapeau, hein. Et on peut promener notre copain ou pas? Non, 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 ne touche pas. Il est branché, hein. Là, la position, c'est une demi-heure, il a plus de dos. Allez, c'était balle à vous, balle à vous, balle à vous. Allez, les gars. On doit gagner, nous. Je mets le plus proche de la cage, j'ai deux. Allez, go. Oui. Oh non. Il est mort. Dans la cage, dans la cage. Il est éliminé. Éliminé. Max. La catastrophe. Max de l'équipe de Pierre Cross est éliminé. La prison, la prison, la prison, la prison. Ouh. T'as de la chance que je peux pas passer de l'autre côté. Ce qui est marrant, c'est que c'est les deux Max en premier. Oh là là. Oh. Celle-là, elle a l'air incroyable. C'est une chaise électrique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est trop grande pour toi. Ouais, ça c'est sûr. C'est quoi cette cage? Mais c'est un truc de torture. Entre temps, Max, il s'est endormi derrière. Max, non, non. Il peut pas s'endormir. Attention, Maxime dort très bien. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Max. Oh, aïe. Oh, trop cool. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais un sarcophage, n'importe quoi. Il peut pas dormir là. Tu peux pas bouger. Les gars, vous avez oublié son entrejambe, bande de fous. C'est pas à ma taille. Alors Max, en plus de ça, il a découvert sur toutes les balles que tu vas prendre là. Si tout va bien, les jambes sont trop courtes, donc tout repose sur les baloches. Ah si, ah oui, t'es bien. Ah, t'es bien, ça va. Y'a aucun... Y'a aucun... Là, tout repose sur mes jambes. T'es même pas... Regarde, si je me lâche. Ah oui. C'est une torture mexicaine. C'est horrible. Effectivement, on n'a pas pensé à ça. Putain, trop cool. Fais gaffe, ici, juste à cette zone. Je suis obligé d'être comme ça, ouais, ou pas? Ouais, obligé d'être bah, comme ça. C'est le lit qui veut ça, hein. Tiens bon sur les jambes, sinon tu risques de plus avoir d'enfants. Attends, mais on a le droit d'aller là, nous. Les gars, je vous couvre, je vous couvre. Ça va, Max? Bah non. Toujours en train de te plaindre, toi, c'est incroyable, ça. Pierre, tu sais qui visait? Je sais que tu m'as regardé. Oh, j'ai... Mais bâche. Il te reste combien de vie? Plus qu'une vie. Plus qu'une. Allez, fumez-le. Oh non. Oui, shoot-le. Allume. Max, on est derrière toi. Et reste les bras comme ça, toi. Allez, Ben. Oui. T'es immense. Il reste deux vies à Tanguy. Cachez-vous. 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 Non, non, on n'est pas dehors.
Allez, 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 tire, tire, tire. Oui. Mais protège-toi. J'ai plus qu'une vie. Ouais. On l'a eu. Bien joué, Ben. T'es immense. Oui. Oui. En prison, Pierre. Non, Pierre. Pierre en zonzon. Bon, Pierre. C'est laquelle, je sais pas. Mais on dirait vraiment le film Saw. Ah non, pas toi non plus. Trouvez la clé. Trouvez la clé. La prison. La prison. La prison. Ah oui. Ah oui. Pierre, est-ce que t'es recyclable? Oh non. Ouais, oh non. C'est bien. Oh, trop de la chance. C'est bien. En vrai, Pierre, t'as la chance, hein. Est-ce qu'il y a du contenant dedans? Attention, mais... Oh, elle est vraie. Oh, c'est une vraie. Ah, oh, c'est une vraie. Non. Voilà, ça, c'est trop cool. On va sentir. On peut sentir. Oh putain. Oh, il y a des bananes. J'aime pas les bananes. Ah non, Pierre, c'est dur là. Allez, Pierre, ouais, comment, fais profiter. Comment on monte là? Ça sent tes mains. Ah, oh là là. Putain, en vrai, tu te fais un petit coussin et tout, t'es bien. En vrai, non. Et toi, tu t'en fous, non? Ça, c'est plus confortable que ça, hein. Moi, j'aime bien. Bah ouais, pareil. Fais voir, fermer, comment ça fait. Ouais, attention. Allez, on enchaîne. Moi, il me reste 3 vies. Attention, ah, je claque. Pierre. Allez, oh, bonne ça nuit. Ça pue. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Pierre. Par contre, Ben, c'est que là, on est bien, là, comme ça. Là, on est pas mal. Qui me bouge, là? Non, non, c'est pour les plans. Ça joue ou pas? Ouais, alors je te dis, là, il y a Ben qui a le ballon. Il a... Oui. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ah, il avait plus de vie, lui. Ouais, il est plus de vie. Poubelle. Bien joué, Benjamin. Bien joué, c'était Benjamin. Un bon match. Elle a l'air costaud, attention, la les gars, ça arrive, ça arrive. C'est quoi? C'est un BNB? Ça, c'est plus grand que vos chambres. Hein. Ça, sur Paname, c'est 800 euros. Les gars, vous pouvez vous cacher derrière, là. Et encore bravo aux ingénieurs. Attendez, attendez, parce qu'il y a Max qui est en train de plonger dans le sommeil, là. Non, ah, non, 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 pas du tout. Max, on tourne, là. T'endors pas. Aucun monde, je dors, là. Les gars, attention, la prison est installée. Ça inspire pas confiance, ça. Ben, c'est toi qui as été touché, je t'en prie, va découvrir ta prison. Allez, moi, je la ouvre avec toi, tiens. Oh, oh, oh. Non, mais alors... Oh, putain. Mais oh, tous non. Les jours, on dort là-dedans. Attends, mais c'est vachement bien, ça. Ah, radiateur dans le... Ah oui, dans le Texas. J'aime pas le froid, c'est parfait. Bon, les gars, bon courage, gagnez cette partie. Je rentre dans ma prison. Hé, hey, Binge, tu manges pas le cactus, hein. Non, non, promis. Bon, bah, salut. Et vous avez pas une serviette de plage, en plus? C'est de la semoule. Ah oui, c'est de la semoule. Fais-moi goûter, toi. Donc là, potentiellement, il dort à 35 degrés. Ouais, je pense que je suis bien maintenant, mais plus tard, ça va pas être bien. Est-ce que vous pouvez refermer la cage de votre partenaire? Ah. Ciao. Ciao. Courage. Bon, bah allez, hein, c'est parti pour la nuit, je crois. Attention, attention, c'est bon, il est Ben, t'es bien, là? Ouais, très bien. Il fait chaud? Chaud, chaud. Gagnez pour moi. Allez, les gars. Allez, les gars, c'est reparti. Hé, Alain, mais... J'ai de la banane dans les cheveux. Eh, par contre, au bout de 20 secondes, là, faut lâcher la balle, hein. Balle au prisonnier, là, c'est pas une location, hein. Allez, bah, c'est une... Bien joué. Bien joué. Oh oui. Oh, oh les gars. J'arrive pas à dormir, là. Ils vont passer au-dessus. Okay. Les gars. Oh non. Oh non. Oh le bâtard. T'as la balle, Fred. Tête de ma mère. T'as la balle, Fred. Allez, Ben. Allez, Fred. Ben. Fred. Ben, Fred, Ben. Oh non. Vite, vite. Ah mais là, c'est à chaque... Oui. Alors, on fait comment? Ça va, Lan? Ouais, tranquille, hein, tu sais. Pensez au matelas Emma, les gars. Ya. Oui. Les gars, s'il avait eu la coupe à Bunch, ça aurait rien touché. On n'entend rien dans ton pigeonnier, c'est pas. Allez, Fred, ils ont une vie chacun. Ils ont une vie chacun? Ils tentent un truc. Elle a nous, Ben. Mais je l'ai touché, nom de Dieu. Voilà. Non. Allez, Tanguy. Oh, Tanguy. Alors, j'explique. Les oiseaux derrière sont de dos. On les a cachés pour pas qu'ils regardent. Vous pouvez vous retourner, messieurs. On va découvrir la prison de Tanguy. Putain, moi, je la découvre même pas. Tanguy, je t'en prie. Allez lui ouvrir son drap. Allez, moi, je te l'ouvre. Oh, le ballon. Oh, jamais de la vie dans là-dedans. Oh, trop cool. En fait, ça mixe la chaleur de l'un et l'impossibilité de l'autre. Et l'odeur de la mienne. Oh, punaise, mais Tang, tu seras mon gilet pare-balles. Oh ouais, par contre, tu peux bouger avec lui. Il dort dans un terrain de foot. Alan, je te protège. Tang, tu me couvres, hein. 3, 2 et 1. 0. Tape là. Ah non, tu peux pas. Ah, je peux pas. Maintenant, c'est 10 secondes pour envoyer la balle. Peu importe, sinon vous la rendez à l'adversaire. Et il faut que ça accélère un peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. En tout cas, t'es mon préféré de la compagnie. Très très sympathique. T'adore. Oh, merci. Oh, bien joué, Max. Bien joué, Max. Avec plaisir, les gars. Bien joué, Max. Oui, oui. Les gars, c'est l'orange. C'est allez. Bon. Bravo, Alan. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il s'est battu. Et là, il reste une prison encore. C'est pas la clim, celle-là? Ah oui, regarde, c'est vert.
Oh, trop cool. Bien joué, Alan. T'as été immense. Hein. Pour moi, c'est l'homme du match. Vous pouvez aller avec Alan découvrir la prison d'Alan. Allez, viens, Alan. Ouvre ta prison. Avant-dernière prison. Je vous invite à l'ouvrir et vous me dites ce que vous en pensez. Jamais de la vie, je dors ici. Jamais de la vie. Non. Max, t'es trop bien. Mais, c'est vrai? En vrai, t'es bien. Pierre, t'es bien. On ouvre pour tout le monde. Oh putain, trop cool. C'est humide, quoi. C'est que de l'eau. T'es sous la pluie tout le temps. En fait, autant aller dehors, là. Alors, les gars, je suis au courant de ce qui se passe. Il pleut 5 minutes toutes les heures dans ta nuit. Ah, trop cool. Mais c'est une torture vietnamienne, ça. C'est la goutte, là, qui... Okay. Je suis tellement content de pas avoir ça. Ah, c'est horrible. Allez, tu peux aller à bonne nuit, ta hein. prison. Sois brave, mon brave. Bon, bah, à plus, les gars. Bonne nuit, Alan. Donc là, c'est Fred, moi. Là, c'est un duel fratricide, un peu. Ouais, mais au final, on sort tous gagnants. Ouais, on sort tous gagnants. Il y a quand même un lit de place à gagner. Tant qu'à faire, je vais pisser. Hein. Il se pisse dessus. Il y a de l'eau qui sort dans ses chaussures. Désolé, j'ai pissé dans ma cage. Hein. Vas-y, Ben, vas-y, allez. Sure. Ça joue, ça joue. Non. Oh, touché. Ouais, elle touche, toi, elle touche, elle touche. Il est à fond pour toi. Ouais, bien joué, bien joué. Que une vie. Il te reste encore une vie après. Oh, pardon Pierre, j'ai pas fait exprès. Oh la vache. Non, non, non. Oh, non. Mais ça se vénère de ouf ici. Fatigué. Oh oui. Oh, bravo Ben. Bien joué Ben. Voilà. Bien joué les gars, c'est une victoire d'équipe. Bravo Fred, t'as été immense. J'ai l'impression qu'on a un vainqueur. On amène la prison de Fred. La dernière prison arrive. Je peux avoir un petit ballon? Eh, hey, sortez madame. Alan? Ouais! Tu vois le dehors ou pas? Non, c'est trop chiant! T'es dans une boîte aussi? Ouais, je suis dans une jungle! Oh, trop bien! Et il pleut? Il pleut, ouais, du coup j'ai pissé dedans! Oh, la chance! Vous savez ce qui va se passer? Je vais aller normal. Zéro surprise. Oh là là, le petit vinyle. Oh putain, je le sens bien celui-là. Oh, beaucoup de musique pendant que tu dors. C'est une boîte de nuit ce machin. C'est une boîte et on est la nuit en fait. On l'a compris, on l'a compris. Salut Ben, bonne soirée. Merci pour ce jeu. Et merci de m'avoir accompagné, c'est mais cool. C'était un plaisir parce ou que, quoi? Bah rangez-toi, attends, je plaisante. T'as vu à Paris, la sécurité hein? Il boit on pas. On ne laisse personne rentrer s'il a un petit verre. Allez, ciao. Allez, nouvel appart. Waouh. Mais du coup, tu repars en soirée. Oh! Attends! Ah, c'est bon! Ah, c'est génial! Oh putain, tu sais que moi je bouge beaucoup pendant la nuit, c'est-à-dire qu'en fait. Ok, ok, alors c'est un matelas. On fait pas des accords, s'il te plaît. Eh, si tu te lèves vers 6h du mat, c'est un concerto. Oh! Oh! Oh, elle est belle celle-là. Pas mal ça. Fais gaffe, on voit l'arrêt. Oh! C'est bien! Dès que je bouge, ça fait des notes. Je pense que c'est l'enfer très à drôle, terme. C'est très drôle. Je pense que c'est l'enfer à terme. Eh, bonne nuit, hein. Allez, hein. Ciao, bonne nuit. Bonne nuit. C'est une boîte à musique. Très bien ça. Bah, merci. Les fesses, ça va? Ouais, franchement, je pense que j'ai la meilleure prison. Pierre, je dors où? Il y a ton lit qui arrive. Il arrive, mon Lily. T'as eu ton petit lit. Moi, quand viendra l'heure de dormir, je ferai ça, mais pour l'instant, je regarde un peu mes petits compères. Ça va, Max? Et toi, mon pote? Mais là, tu vas dormir comme ça ou pas, tu penses? Bah oui. Et il faudra qu'on allume ces petits oiseaux, hein. Fred, tu peux éteindre la musique? En vrai, pour non, c'est chiant. Non, pardon, pardon, je suis désolé, mais ça. La pardon, mais ça m'aide à m'endormir. Il fait de la musique, c'est pas sympa pour les voisins. Ah. Pardon, 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 non, Lily. Non, non, pas. Vous êtes viré de la boîte? Ah, il est resté sur un ré là. Eh, hey, demain, il va avoir mal au dos. Eh, hey, on l'a ou pas celle-là? Tu l'as? Là? Non. Tu l'as, ouais, non, ouais. Là. Et du coup, il va faire dodo? C'est bien ça. Ça va, Fred? J'ai l'impression qu'il y a un petit bémol. Ben, ton lit, ton dieu est là. Merci les guys, je m'en vais dans mon lit de prince, oh de roi. Eh, hey, tu l'as envie, hein, toi? C'est très très bien ce qu'on fait, hein, faites-le. Quand vous avez fait 2 heures de balle aux prisonniers à 40 degrés, que vous avez sué, vous dormez direct dans le lit, d'accord? Non, mais il a les oiseaux là qui chantent là. Par contre, ils vont me tuer ma nuit à moi, en fait. Fred. Ça va, Fred? Je t'entends pas. Personne se demande si le gars il est mort au Texas depuis 20 minutes ou pas? Je vais finir comme Smasha si vous me laissez enfermé là. Je vais crever. Ah, il a envie. Non, moi je pense que la pire c'est Alan. Alan? Alan? Alan, c'est Man vs Wild. Il dort, hein? Alan, il dort, peut-être. Bon, et moi j'ai pas encore vraiment testé ma chambre. On va baisser un petit peu les lumières, on va essayer de dormir. On va essayer, ouais, mais si Fred il évite de composer la 5e de Beethoven toutes les 5 minutes. Fred? Tu peux arrêter le piano s'il te plaît? Ouais, pardon, je suis désolé là. La musique c'est la journée, hein. Ah, pardon, je suis désolé, je me suis endormi sur une banquette de bois de nuit. Bon, on va éteindre les lumières petit à petit. Jean-Sébastien Crac. Alan, c'est Jean-Sébastien Flac. Dites-nous en commentaire la prison que vous auriez préférée. La compagnie, merci. On va passer une nuit ensemble. Et merci la compagnie. Et ça me fait plaisir.
Merci à vous. Demain matin, j'apporte les petits pains au chocolat. Ah, c'est beau ça. Allez, je vais dans ma poubelle, moi. Oh, regardez, la lumière s'éteint. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Eh, le village s'endort. Bah, elle s'est pas éteinte pour tout le monde, hein. Moi non plus, c'est pas éteint. Oh. C'est l'enfer. Pierre. Ouais. Le radiateur, il était pas à fond, je me suis permis de le mettre à fond. C'est beau joueur. J'espère qu'il va pas cramer. Au pire, ça me fera un feu de camp. Est-ce que j'ai le droit d'essayer de me mettre comme as? Globalement, Max, quand t'as des questions, c'est non la réponse. Je m'appelle Geronimo et je suis un oiseau. Ben, tu m'échanges un oreiller contre une peau de banane? Aucun intérêt pour moi, en plus ça pue la merde. Trop cool, les vidéos de Pierre Cross. Tu m'échanges un oreiller contre un sac McDo plein de déchets à l'intérieur? Ah, j'y réfléchis, Pierre, d'accord? Ouais. Regardez Pierre Crotte dans sa poubelle. Je t'entends, toi. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Sortez-moi! Laissez-moi! En fait, quand on m'a dit que j'allais bien dormir dans un matelas, bon... Non, je veux pas faire l'amour à Nelson Montfort. Non, Nelson Montfort. Je peux vraiment pas essayer de changer de position, quoi. Max, si tu veux, tu peux mettre sur le ventre. La colonne vertébrale de Max demain, c'est un Lego. Merci Pierre pour l'info. Hein. En vrai, je suis mieux comme ça. Hein. Si Ben il avait été à la place de Pierre, ça aurait fait une benne à ordures. Ah oui. Ah bah là, ah ouais. Ah là, ça aurait été parfait. Oh merde. Aïe. Merde. Ah merde. Putain, je me suis mal allongé. Fred, il pète, ça fait un mi. Benjamin. Ouais. Je dors les yeux ouverts, ça te dérange pas? Donc tu vas me fixer comme ça pendant 6 heures? Ouais. Je vais me retourner, t'inquiète, t'invite. Oh, ça s'est arrêté, c'est incroyable. Non. Fais-lui le Kokoubé. Non, ça va, Max. Ben, d'accord, ça va. Fais-lui le Kokoubé. Ça va, Max. Kokoubé. T'as la rêve, Ben, ou pas? Ouais, c'est bon, Max, je suis en train de dormir. C'est gentil, je suis en train de dormir. Max, tu veux pas dormir un peu? Ah, j'essaye, je trouve pas le sommeil, là. Oh, ça pue de la gueule, ici. Hein. Allez. Oh, le réveil de Fred. Ta gueule, Fred. On se réveille, tout le monde. Oh. Max, on fera tout un... Il y aura tout un moment pour toi. Vous croyez que c'est confortable? Mais non, non, non. Ce n'est pas confortable. Oh non, Fred. Mais Fred, c'est... Fred, il a gâché la nuit. T'as gâché la nuit, Max, voilà. Je me suis pris un coup de pression direct le matin. La lettre est lisée. Oh, on va faire des bilans, là. On a le droit de sortir? Vas-y, sors. Lui, il est en microclimat depuis 8 heures. Oh là. On a l'impression qu'il est... Tu es parti 6 mois. Ça va, Max? Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Hein. Fais gaffe, t'as un épi. Ah, où ça? T'as du mal dormir, toi. Ça va, l'oiseau? Ça va. T'as bien dormi, Ben? Bah, le matelas, très bien. Mais le concerto, toutes les 4 secondes avec Fred, non. Attends, celui au chaud, là. Oh, le binge au chaud. Wow. Vous avez vu la chaleur qu'il fait là-dedans? Oh, la vague de chaleur qu'on s'est pris, là. C'est dingue, les gars.
Oh, par contre, vous, il fait froid dehors. Oh, c'est, il fait bon, toi. Allez, venez avec moi. Entrez. Eh, les gars, ceux qui ont froid, venez deux secondes, hein. Entrez. Ah ouais. Allez, entrez. C'est trop bon. Non, mais t'es bien, en fait, ici. C'est stylé, là. Bien, si tu restes pas longtemps. Non, mais on reste trop bien ici. C'est incroyable. Ah, toi, ça doit te faire du bien, moi, là. Ah, franchement, ça fait du bien de se poser. Oh, man. T'as dû passer une nuit, mais cauchemardesque, toi. Oh, t'as pas dû fermer l'œil de la nuit, entre toi. Entre les odeurs. Ouais, c'était bruit. Spécial, quoi. Rentre chez toi dormir, Ben. Hein. Ça reste pas là. Hein. Si on enlève le fait que ça pue la déchetterie et qu'il n'y a pas les oiseaux, la musique... Sans viser, là. C'est pas, ça peut être pas mal. Bon, petit bilan global de la nuit. Venez tous. Bravo, déjà, on s'applaudit, hein. Bravo. Il est où, t'as une veste, toi? Elle est tombée, là. Ah, il fait froid, là. Oh, la princesse, regarde, là. Mmh. Bonjour, tout le monde. Bon, on va chacun, je pense, donner une note à sa nuit et une évaluation en quelques mots. Je peux t'en donner plusieurs, moi. Max, la cage. Eh bien, honnêtement, c'était mieux que ce que je pensais. J'étais en bonne compagnie avec mes petits oiseaux. C'est lui qui a répété tout, là? Oui, c'est moi. Ah, tu es d'accord? C'était compliqué de dormir parce que mon corps il était un peu comme ça. C'était quelle position que tu prenais? Ouais. Comme ça. Ah ouais. D'accord. Petit conseil quand même pour les ostéos, disent ça. Évitez de dormir dans cette position toutes les nuits. Peut-être une nuit dans sa vie, c'est pas très grave. Ouais. Mais si vous faites ça toutes les nuits, ça peut. En classeur. À terme, ouais. Moi je dirais qualité de la nuit, 5 sur 10. Ah ouais, quand même. Ah, la moyenne quand même. Binge au chaud. Moi j'ai eu chaud comme tu dis. Mais c'était pas le pire. Le pire c'était la lumière. Qui était en plein dans les yeux et c'était impossible de dormir. T'as vu, parce qu'on empêche Ben de dormir là. Ah, excuse-moi. Ouais, j'avoue là. Excuse-nous, Ben. Et malgré tout, nuit pas trop mal, je lui mettrais quand même un 4 sur 10. On passe au. Je crois que c'est lui le pire. Ouais. Nous, on t'a classé dans notre imaginaire des pires nuits, comme la pire nuit. Bah ouais, 2 sur 10 pour moi. 2 De où tu trouves 2? C'est déjà beaucoup. 2, hein. C'était cool. 2, pourquoi? Parce que quand il y avait la distribution d'eau, tu pouvais boire un petit coup. Mais bonne expérience, content d'avoir dormi en Amazonie. T'as eu froid ou pas? Très froid. En fait, tu dors dans une flaque. Tanguy, on t'a pas trop entendu te plaindre, hein. Ouais, bah moi, c'est plus le dos, c'est... Comme j'avais que le haut du corps qui était dans la bulle, j'étais plié en deux, mais moins que Max quand même. Et j'étais sur le sol, c'était juste ça qui était froid. Ah, c'est bien d'avoir le retour comme ça d'expérience, comme ça on va pouvoir améliorer. Prochaine fois, peut-être que celui qui dort là, il aura un petit matelas en plus. Bah ouais, c'est une bonne idée. Après, je sais pas s'il y aura beaucoup de prochaines fois. Parce que là, c'est un concept d'hôtel que je veux développer, hein. Chacun sa petite nuit insolite, quoi. D'accord. À l'américaine. Ben, il s'endort entre chaque phrase à lui. Hein. Max, on est revenu. Fred. Non, ben en vrai, moi ça va. C'était le coucher qui était compliqué. Parce que tu sais, j'ai l'impression que je m'endors en boîte de nuit. Sur une ça, j'ai déjà fait ça. Donc pour toi, ça aurait été pas mal. C'est pas compliqué ça. Mais après, j'ai trouvé mon rythme de croisière et j'ai trouvé une bonne position. J'ai dormi. Mes réveils, moi qui me réveille sans réveil d'habitude, là, c'était un peu violent. J'ai dormi, franchement, 6h30. Nous, on a vécu un peu la nuit que toi. Hein. Dès que tu bougeais, on l'avait aussi. Ah ouais, je suis désolé, ouais. Moi, tu m'as réveillé. Je vais pas te mettre ça sur le dos, mais tu m'as réveillé en mode. Alors moi, j'ai l'impression qu'à un moment, il y avait une sorte d'excitation globale et moi, je m'endormais. Ouais. Il m'avait mis un petit sac de couchage dedans. Ah, ok. Et après, quand tu t'habitues à l'odeur, c'est comme dans la vie avec une haleine de merde. Hein. Et quand tu t'habitues à l'odeur, tu passes outre. Et moi, j'ai passé outre. Petit conseil, ne dormez pas dans les poubelles. Ça, c'est un vrai conseil. Parce que parfois, il y a les camions poubelles qui passent et qui vous ramassent et vous finissez broyé. Et c'est encore moins agréable après. Non, mais si toi, t'as mis 3, moi, je mets 4,5. Bon, Max Maison Grise. Bah, c'était l'enfer, hein. Moi, j'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Je me suis assoupi à des moments. C'est vrai? Ouais, mais la réalité m'a repris direct. J'ai essayé toutes les positions possibles. Il y avait celle-là, et celle-là, elle est très très dure parce qu'elle est pas sur les fesses, elle est sur le. Ah ouais, sur l'arrière de la cuisse. Même ça, là, ça pue. Ça a une odeur, ça. Ouais. Et ça pue. Et tu mets quoi comme note, du coup, toi? Bah, 1-0. Oh, t'es dur, Max. Aucun respect pour le mec qui a pris le temps de... Non, un point pour la construction. Un point. À l'époque, les gens, ils dormaient... Y a pas le contexte, même. Ouais, pardon. Dites-nous en commentaire la pire nuit, celle que vous auriez voulu éviter à tout prix suite au ballon prisonnier. Il est 7h59, pour info. Ah, ouais, comme quoi, hein. Si tu mets ça, là... Oh, parce que j'ai essayé. Tu t'es fait un petit matelas de... Bon, c'est pas Emma, hein, mais... Petit matelas de... Ouais, de...
de coucougnettes. Un grand merci d'ailleurs à Rémi et Raphaël qui ont construit toutes ces prisons sur mesure. Alors pas toutes puisque la poubelle c'était une poubelle. Rémi et Raphaël qui ont fait ça. Bravo. Merci, bravo. Bravo. Incroyable. Bravo. Et le troisième prénom qu'on remercie de cette vidéo, c'est Emma. Ouais, merci Emma. Merci Emma. Très belle nuit, merci à vous. Ouais, il y en a qu'un qui peut remercier bien Emma là, je pense. Je vous rappelle qu'on est en début d'année et que c'est les bonnes résolutions. Prenez la bonne résolution de mieux dormir parce qu'avec des meilleures nuits, on passe des meilleures journées. On va pas passer une bonne journée là. Hein Max? Oui, moi oui. Hein Max? Le sommeil est important pour 100% des Français d'après une étude. Ouais. Je vous rappelle que c'est les Winter Sales sur le site de Emma. Il y a un QR code qui s'affiche pour en profiter. Un lien en description. Il y a des réductions en ce moment sur le site. Et en plus de ça, avec le code CROSS, il y a 10% en plus. Donc n'hésitez pas à en profiter. La compagnie, grosse chaîne YouTube. Merci la compagnie. Grosse chaîne YouTube. Dites-nous une petite vidéo comme ça qui vous a marqué de votre chaîne, qui peut donner envie aux gens d'aller voir maintenant votre chaîne. Le fast-food ambulant. Le fast-food ambulant, ouais. Il y en a tellement où on a vécu des sacrées expériences qu'on ne saurait pas vous dire. Le food truck ambulant? Ouais, ouais. On s'est retourné en camion. Je mets la vidéo en description, comme ça les gens découvrent cette vidéo et votre chaîne par la même occasion. Bande de potes qui fait des bonnes grosses conneries, parfois un peu trop, parfois démonétisables. Merci à Ben, merci à Fred et évidemment merci à Max. Avec plaisir. Merci à Max. Ça rigole, quoi. Et merci à toute l'équipe qui a créé tout ça. Ouais, merci, bravo. Pierre. Bonne vidéo. Allez, ciao, ciao. Allez, qu'est-ce que je fous avec ça, là? Oh là là. Lui, il a aucune envie de... Il doit vraiment du confort dans sa vie. Ça joue, il a son max. Hein. Allez, je vous dois peut-être un petit déj. Ah oui. Ouais, sympa, parce que la nuit. Un pain en chocolat. La nuit était dure. Hein. Un pain en chocolat pour vite. Non. Allez, hein, pas de vidéo. Hein. Quand on entend les oiseaux chanter, c'est qu'il faut se réveiller. Pierre, paye ton. Un petit morceau de ciel. Bonne nuit.